Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour quelques invocations et quelques singles sur la version chinoise de Tower of Fantasy. Vu qu'il y a quelques jours, ils ont sorti un nouveau portail, un nouveau personnage du coup, et on va aller voir de suite. J'en avais déjà parlé sur Twitter, l'unité elle est super forte, mais elle est considérée comme un healer. Pour moi, je dirais que c'est un semi-healer. Un semi-healer, mais qui DPS quand même assez bien dans l'ensemble, meilleur que certaines unités qu'on a pu voir auparavant sur les réseaux ou sur YouTube. C'est parti. J'ai de quoi juste pour une multi sur le portail du perso. Ça, c'est le nouveau perso. Et réellement, il est très très intéressant. Du coup, on va tout d'abord invoquer ici. J'ai vu que j'ai une multi. Après, on va partir sur ce portail-là, où j'en ai 6. Et après, on termine sur le portail rate-up de ce perso. J'ai déjà oublié son nom. Mais voilà. J'ai vu son gameplay sur YouTube et tout. Et l'unité est vraiment très 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 forte. C'est parti. Du coup, on invoque là-dessus. J'ai déjà fait 3 multis. J'ai vu rien de drop à part du R et du SR. Mais voilà. Je skip parce que le perso je l'ai déjà drop et je sais ce qu'il donne. Bon, pas très intéressant comme perso, ça me fait un doublon vu que je l'ai déjà. Maintenant on décale sur le portail sur les Gold Nucleus, parce que les tickets s'appellent comme ça, les Gold Nucleus ou les Dark Nucleus. Les on va voir si on va drop en single. On a déjà fait 3, il nous en reste plus que 3. Allez, on est sur la quatrième. Rien non plus. Cinquième, il nous en reste plus que 2. On termine sur la dernière avant de passer sur les Red Nucleus. Derrière moi, parti. Du coup, portail rate up élevé sur L. Si on drop un SSR, il y a 50% de chance que ce soit lui qui pop. Du coup, j'espère vraiment le drop. J'aimerais le tester. Okay. Allez. Bon, dans tout cas, c'est SR ou SSR garantie. Ah, dommage pour rien.
Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Sur un perso inutile, on peut skip. C'est vraiment dommage. J'ai quand même pas assez longtemps pour en arriver à là et ne rien drop, ça fait un peu mal. On récupère juste les petits trucs à droite à gauche. Ok. Donc je mets un doublon sur cette unité là. Voilà la break limite. Et après on fait ça. N'oubliez pas que le jeu sort le 11 août à 2h du matin. On sera sûrement en live à cette période là. Nous allons balancer le live un petit peu plus tôt sur YouTube. On balancera le live sur YouTube. J'espère que vous allez être présents, les amis. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.